Le prince Harry et le prince William n'ont jamais caché à quel point ils étaient proches. Et le décès soudain de la princesse Diana en 1997 y est probablement pour quelque chose. Alors qu'il était le témoin de son petit frère, le prince William a été surpris à glisser à celui-ci avant l'arrivée de Meghan Markle, « Tu te souviens quand maman disait ?» rapporte une lectrice sur les lèvres professionnelles au tabloïd britannique Express. Le prince Harry lui a alors répondu en souriant, « Oui. Je sais. » Un moment de complicité qui explique aussi probablement le choix du prince Harry d'avoir pris son frère comme témoin. Il en avait été de même en 2011 lors du mariage de Kate Middleton et du prince William. Si est-il d'ailleurs avec son frère aîné que le prince Harry a passé sa dernière nuit d'homme non marié. Et la veille de la cérémonie, les deux fils de la princesse Diana étaient venus saluer les centaines de personnes qui avaient déjà fait le déplacement dans la ville de Windsor pour le mariage royal. Après ce bain de foule, les deux frères vont passer la nuit ensemble dans l'hôtel d'Orchester Collection à Co-Orff Park. De son côté, Meghan Markle avait séjourné au Clevedon House Hotel à Windsor avec sa mère Doria Ragland.